Bon, allez, c'est bon, on arrête les conneries. Wesh, bien quoi. J'ai voulu rigoler un petit peu, c'est bon aussi. depuis hier soir, oh, si vous avez mes mentions Twitter, les gars, depuis hier soir, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie, réellement. Bon, vous avez devant vous un gros bouffon, c'est moi. Le titre du stream s'intitule ainsi. Je suis un bouffon, je fais l'actualité, je suis en tendance, les amis. C'est facile à faire. En réalité, moi, si vous voulez des conseils pour être en tendance et tout, je peux vous le dire, voilà, ça m'arrive quand même assez souvent. Non, ça va, je rigole. Vous allez bien, les gars, déjà, on va arrêter. On va commencer directement à valer. Est-ce que vous allez bien, les frères? Après, on va parler de ça, si vous voulez, mais... Bon, écoutez, moi, ça va, hein. Waouh! 5 subs offerts. Putain, mais on va critiquer plus souvent des albums, hein. Vous me dites, hein, c'est quoi le prochain? Il a dit, c'est quoi la prochaine grosse sortie? Vous me dites, moi, s'il faut... Il faut insulter un petit peu. S'il faut se faire traiter de bouffon pour faire du buzz, moi je le ferai souvent. Non, en vrai, je rigole. Moi, je pense que vous me connaissez, le buzz, je m'en bats les couilles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, en vrai, Orvan, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai fait le gamin. Franchement, j'ai fait le gamin. Depuis hier, vraiment, je me tape des gens qui me disent « Mais t'es qui, toi? Gros lard, gros porc, on va t'attraper. On n'a pas demandé l'avis d'un gros sac. Et de toute façon, toi, t'es pas connu, t'es certifié grâce à elle. Hein, c'est ça? Tu veux du buzz? Tu veux ton buzz? Viens le prendre. » Les mecs sont chauds, quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas 150 trucs à dire ou de choses à expliquer. J'étais en soirée avec des potes, on rigolait bien, on parlait de tout. Et là, je vais sur Twitter et je vois que ça parle de la bombe de Weshden. Et moi, comme j'avais fait avec Calf, parce que j'avais fait exactement pareil, ceux qui suivent mes streams le savent, j'ai mis un petit tweet pour rigoler. Pas très difficile à juger, l'album de Weshden, c'est poubelle. J'ai pas écouté une seconde de cet album, mais je l'avais mis pour rigoler, tu vois. Et pour être parfaitement honnête, c'est le genre de tweet que je mets un peu la nuit pour trigger les gens, pour rigoler. Et après, je supprime avant de dormir, tu vois, au calme, ça reste même pas une heure, tu vois. Et là, elle m'a répondu. Et là, ça a changé. Et là, la vie, elle a changé, tu vois ce que je veux dire. Vu qu'elle m'a répondu, c'était un petit peu... ça a pris une autre ampleur, quoi. Tu vois, tous mes potes, tous les gens étaient en feu, etc. Et moi, franchement, j'étais mort de rire. Pour être honnête, j'étais mort de rire. Maintenant, je tiens quand même à rétablir un truc, hein. Je recherche pas le buzz, je m'en bats les couilles. Ce truc-là m'a ramené 2000 abonnés, mais franchement, c'est ridicule. Il y a des gens qui m'ont découvert grâce à ça, barrez-vous, hein. Franchement, je m'en bats les couilles de vous, hein. Je fais pas ça. Hey, moi, je vanne, c'est tout. Je voulais rigoler. De son point de vue, elle, c'est normal, frère. Elle me connaît pas, elle voit quelqu'un qui publiquement dit que son album, c'est la poubelle. Il y en a, ils ont essayé de me défendre. Ouais, il a le droit de critiquer, machin. J'ai pas critiqué. J'ai dit, c'est poubelle. Frère, si moi j'avais sorti un projet, je vois un pecno qui dit poubelle, moi aussi, tu sais, ça me mettrait un peu les F, tu vois, je peux comprendre. Donc pour elle, comme tweet de bouffon. M'en bats les couilles. Tu sais, oh, je suis pas Aminé Hugo, hein. J'ai pas fait première écoute avec une analyse pointue. J'ai littéralement dit poubelle, tu vois ce que je veux dire. Donc perso, mon but, c'était d'attraper quelques gens pour un peu les trigger, rigoler, supprimer le tweet. Ça a attrapé l'auteur de l'album qui m'a répondu. Puis voilà, on en reste là. Et après, j'ai vanné un petit peu. J'ai fait genre, j'allais faire un poster du tweet en question où elle me répond. J'ai pas acheté de poster, je l'ai pas acheté. Y a rien, tu vois ce que je veux dire. On s'en bat les couilles. Tu sais, y a des gens, ils me citent. Ouais, franchement, attitude de fan. Ouais, t'es fan. Moi? Non, je suis pas fan, monsieur. Je n'ai pas acheté, je n'ai pas streamé. Mais c'est pas grave. Donc en attendant, ça marche. 37 000 likes. Hallucinant, frère. J'ai jamais eu un tweet qui a eu ça. Il y a même eu, et moi c'est ce que j'appelle les journalistes poubelles, des journalistes qui ont fait des articles dans 20 minutes, dans Public, dans Star Magazine, des trucs des trucs nazes, là, comme ça. Weshden traite quelqu'un de gros bouffon. Elle le renvoie dans les cordes. Ah ouais. Putain, vraiment, gros. Je suis abasourdi. Et vraiment, si vous voyez mes mentions, c'est marrant parce que déjà, il y en a vraiment, mais genre 5 à la seconde. C'est genre, regardez, moi j'utilise TweetDeck. Voilà, bah regardez, par exemple, un en direct, il n'y a pas de. Toi, t'es qui d'abord pour juger la musique de Weshden? T'as un compte certifié, mais personne ne te connaît. Ouais, j'avoue. Voilà, c'est tout. Bon, il y a des gens qui essayent de me clasher, mais ils disent des trucs vraiment nuls à chier. Et voilà. Mais mention, c'est que ça. Mais après, si je vais être honnête, il y en a aussi qui l'ont insulté, elle, tu vois. Et ça c'est peut-être pas ouf, tu vois. C'est bon, frère, c'est une petit peu. Moi, j'ai juste voulu vanner et après, j'ai pas supprimé. Parce qu'en fait, si j'avais supprimé, on m'aurait dit, ah, tu supprimes, t'assumes pas et tout. Moi, j'ai fait, c'est bon, frère, à fond, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, quand je vous. Eh, les mentions, ça n'arrête pas. Vraiment, si je vous montre le tweet en question, c'est-à-dire lui, j'ai jamais eu regardé. Le tweet a, bon, forcément full citation, etc.
2 200 000 impressions, c'est hallucinant. 2 200 000 impressions. Et donc mes mentions, c'était vraiment un mix, je vous le dis, entre des meufs, des hâtes avec 22 chiffres dans le pseudo, tu vois. Antoine, 24, 74, 58, 67, t'as l'impression que c'était son numéro de sécu. Donc des rebeux, des renois, ainsi que des mecs en crop top. Et je rajouterais quand même des fans de K-pop. Et donc vraiment, mon tweet, il a fait un conglomérat de gens qui ne s'aiment pas à la base, qui ne peuvent pas se supporter. Ces gens-là se sont associés pour m'insulter mes morts. Ah vraiment, ils se sont associés, vraiment tous là, ils ont essayé de... Vraiment, j'étais mort de rire. Mais vraiment, par contre, il y a vraiment v'là les mecs qui ont essayé de m'attraper, c'était trop marrant, hein. Vraiment c'était trop marrant. Mais après, encore une fois, c'est pas grave, moi je m'en fous, elle a eu totalement raison de me traiter de bouffon, moi j'ai juste essayé de vanner un petit peu, elle l'a vu, elle a répondu, puis voilà, c'est bon, c'est Twitter, on en reste là, frère, on va pas faire une analyse psychologique de 50 ans, et croyez-moi, s'il y a bien un gars qui n'est pas à la recherche de buzz, excusez-moi, c'est bien moi. Moi je suis pas à la recherche de buzz, moi je fais ça pour rigoler, pour essayer de trigger des gens. Après, ça a fait un buzz parce qu'elle a répondu, mais le reste du temps je m'en bats les couilles, hein. Ce n'est pas le but. Tu as apporté la paix dans le monde devant l'ennemi commun. Non mais c'est pas un ennemi, c'est juste une type qui sort son album. Après, le fait que j'aime pas l'album, c'est autre chose, le fait de pas l'avoir écouté aussi. Mais de toute façon, j'ai déjà eu cette discussion avec le motif quand j'ai fait ça quand au libre, les Zumba que t'écoutes en voiture ou entre copines ou pour des TikTok, je vais dire que c'est pas la musique qui m'intéresse le plus, quoi. mais vraiment, par contre, j'étais avec mes potes et... Attends. Et cette photo, donc c'est-à-dire cette photo, elle résume littéralement comment j'étais. Donc ça, c'est mon téléphone, il est pété en haut à gauche. Et genre, j'étais là comme ça, avec... Bon, je vous fais pas un dessin. Et j'étais trop fier, hein, j'étais trop mort de rire. Maintenant, j'avoue, j'ai voulu faire le bouffon. Parce que ça, elle m'a traité de bouffon, j'ai voulu faire le bouffon. Et j'avoue que je me suis dit, mais ça aurait fait forceur, donc je vais pas le faire. Mais je me suis dit, ok, donc j'ai dit que son album était naze sans l'avoir écouté. Elle m'a traité de bouffon pour ça. Et je voulais faire une vidéo troll, première écoute. Je vais pas le faire, mais je te jure, le niveau de... là, concrètement, ça s'appelle essayer de jouer au con avec un cinquième Dan. Je suis un cinquième Dan, moi, c'est-à-dire que je suis vraiment un débile. Genre, tu veux jouer au con avec moi, je pense que je peux être beaucoup plus con que toi, tu vois ce que je veux dire. Et non, même si vous me dites fais-le, je vais pas le faire, je vous l'annonce, je ne le ferai pas. Parce que encore une fois, je ne suis pas à la recherche de buzz, troll un peu tout ça, machin, c'est marrant. Maintenant, elle l'a pris un peu mal, je peux comprendre, je vais pas insister, frère, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est pas grave, au calme, hein. Après, de toute façon, regarde, là, on parle, vous êtes nombreux, puis après, quand je vais aller sur un jeu ou quand je vais faire un truc, vous allez tous déguerpir, je vais retourner dans mon anonymat et mes bons petits 400-500 viewers, et la vie sera belle! La vie sera belle dans mon petit décor. Après là, je suis en train... Là, franchement, je vais te dire un truc. Je l'avais fait avec Calf déjà, le même tweet. Ouais, Calf, c'est poubelle. Alors que j'avais pas écouté une seconde. Ou je l'avais dit en dessous aussi. Franchement, je préfère me taper la team Weshden. Donc le conglomérat de gens, des mecs en crop top, des K-pop stan, des meufs, et de temps en temps quelques mecs chauds, quelques trentenaires. Je préfère ça plutôt que ce soit Damso qui m'ait répondu et que je me tape les fans de Damso et leur masturbation intellectuelle qui serait venue me faire parce que j'ai dit que Calf c'était nul. Oh vraiment. Si ça avait été les fans de Damso. Oh les problèmes. Ouais, je comprends pas. Calf, c'est trop de la musicalité, il teste des choses. Vous aimez que Zumba Café. En fait, si vous aimez pas, c'est parce que vous comprenez pas. C'est pas Damso, c'est William. Alors la vie de ma mère que je préfère mettre taper la team Weshden que les fans de Damso. Les fans de Damso, gros, ça m'aurait fatigué en deux secondes, ça m'aurait fatigué très très vite, tu vois ce que je veux dire. Bref, encore une fois, du coup, je tiens à le dire, c'était une vanne, cherchez pas de buzz, elle a bien eu raison de me répondre ça. Moi à côté, il y a pas de problème, j'ai pas supprimé parce que sinon elle me dirait tu supprimes machin, etc. Je l'ai pris en rigolant. Les gens qui tryhardent les réactions, qui insultent, vous êtes vraiment des blaireaux. Et puis on passe à autre chose, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. C'est un message pour finir un peu, tu vois, sur les insultes, sur ceux qui m'ont insulté pour un album de musique. Alors, attends, tac. Allez, viens. Dis-moi ça en face. Ramène-toi. On va voir c'est qui le vrai homme. Hein. C'est qui assume ses paroles, là. Hein. Viens là. Viens, on va voir c'est qui le meilleur à la bagarre. Ramène-toi, petit fils de pute. Allez, viens. Viens, tu veux quoi? T'as un problème? Allez, viens. Facile de parler derrière son écran, hein? Ah, on va voir c'est qui la salope. Allez, viens. Tu vas te faire soulever. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont mis... Qui ont supposé que, effectivement, Feneux voudrait peut-être me baiser ma mère.
Alors, je tiens à rappeler que je suis une personne fragile qui regarde le sol quand il marche dans la rue. Et que c'est ce tweet où on m'incrimine, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un pote à moi. Moi, j'étais en train de dormir. J'ai rien fait. Et même si j'ai rien fait, je m'excuse. Désolé, monsieur Feneu. J'y suis pour rien. J'ai une descente d'organes. Et de toute façon, si tu viens me voir, je me mets à poil. Voilà, hey, oh, j'ai sorti mon arme secrète. Tu peux pas frapper un mec à poil. Je me mets nu et je crie. Voilà. Mon zab, il va zigoter. Zin, 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 et je vais crier. Voilà. N'essayez pas de m'attaquer. Laissez-moi tranquille. Dans ma ville.